La session de septembre 2022, ouverte le 15 septembre dernier à la chambre basse du Parlement, est celle de tous les enjeux. Au cours de la séance inaugurale, le speaker de cette chambre, Christophe Mbosonko Diampwanga, a salué le courage patriotique et panafricaniste qu'a animé le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. L'honorable député, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous, avec un grand intérêt, l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien, propre. J'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et d'un vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste à son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, les peuples congolais, à travers ces élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir... Thank you.